Je m'installe confortablement dans ma zone de bien-être, de confort. Je ferme les yeux. Je respire tranquillement. Je suis le va-et-vient de ma respiration, le trajet qui entre et sort de mes poumons. Et je respire de plus en plus fort, de plus en plus profondément, bien à fond, et j'expire bien à fond, à mon rythme. J'inspire, j'expire à mon rythme bien à fond, de plus en plus doucement. Je nourris mon corps d'oxygène pour lui permettre de travailler au mieux pour moi. J'inspire profondément, j'expire profondément, amplement. Et à chaque expiration, j'imagine éliminer toutes les tensions de mon corps. Comme si je pouvais rejeter tout ce dont je n'ai plus besoin. Comme si ça faisait un circuit et qu'à l'inspiration, je pouvais inspirer tout ce que j'ai besoin. Et à l'expiration, rejeter tout ce que je n'ai plus besoin. À mon rythme, je continue à respirer profondément et doucement, à rejeter tout ce dont je n'ai plus besoin et à recevoir tout ce dont j'ai besoin. Et je respire de plus en plus doucement, tranquillement. Je prends conscience de mon corps qui se détend sur chaque expiration, de tous mes muscles qui se relâchent. Je prends conscience du bien-être qui s'installe dans toutes les parties de mon corps et de mon mental. J'aime cette sensation de bien-être que je m'apporte. À chaque expiration, mon corps, mes muscles se relâchent encore plus. À chaque expiration, mon corps est de plus en plus détendu, relaxé, relâché. À chaque expiration, c'est comme si mon corps s'endormait. Et je laisse mon mental en éveil. Si j'ai des pensées, je baisse le son ou je les envoie sur un tableau, dans un nuage. Et je reviens à ma détente. Maintenant, j'imagine un écran de télé devant moi. Ou un écran de cinéma. Et dans cet écran, je me vois moi dans 20 ans. Je me vois moi dans 20 ans ayant réussi, étant reconnu. Je me vois moi dans 20 ans avec le sourire, la mine sereine, le corps ouvert et lumineux. Je regarde dans cet écran cette personne qui a réussi sa vie, qui est heureuse et épanouie. Et cette merveilleuse personne va me montrer comment elle a fait pour réussir. Quelle étape elle a passée? Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour réussir à atteindre tous ses objectifs et être autant épanouie dans tous les domaines de sa vie?
je prends la télécommande et je vais faire marche arrière. Comme si je pouvais revenir en arrière sur l'écran, dans le film, je reviens en arrière. Je m'arrête pour observer, pour regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être si épanouie et heureuse. Et je regarde le film et j'écoute. Je ressens. Je me rends compte que j'ai développé telle qualité, tel potentiel. Je rembobine encore. Je me rends compte peut-être que je me suis détachée de certaines choses ou personnes pour avancer. Je me rends compte que peut-être j'ai eu la motivation, j'ai réussi à poser des actions pour réaliser mes rêves. Je rembobine encore et peut-être qu'à ce moment, j'ai pris conscience à quel point mes rêves pouvaient devenir de réels objectifs à atteindre. Je rembobine encore et je me rends compte qu'à des moments précis, j'ai fait des choses, j'ai pris des décisions. J'ai été chercher des personnes ou des ressources peut-être pour m'aider. Je rembobine encore et je regarde ce que j'ai fait d'autre pour réaliser mes rêves. Et je rembobine encore pour voir ce que mon moi du futur a à me montrer, à me dire, à me conseiller. J'écoute, j'observe. Je veux remettre le bouton accéléré, retourner dans 20 ans, où mon moi du futur est épanoui, heureux, qu'elle a réussi à atteindre tous ses rêves, à avoir une vie lumineuse qui lui correspond sur tous les plans. Je retourne à dans 20 ans. Et là, si j'en ai envie, je peux sauter dans l'écran et aller voir mon moi du futur pour lui demander en personne quel conseil elle a à me donner pour me réaliser. Je peux même sentir ses mains sur les miennes. Elle est lumineuse, cette personne. C'est moi, dans 20 ans. Nous nous retournons et elle me montre tout le chemin parcouru. Elle m'explique ce que j'ai à savoir. Elle me montre comment je vais avancer si je suis ses conseils. Je peux lui poser des questions et elle me répond ou elle me le montre. Puis quand je me sens prête, je la remercie, je remercie mon moi du futur. Je garde en mémoire tout ce qu'elle m'a dit, montré, tout ce que j'ai ressenti. Et je reviens dans cette pièce, je sors de l'écran, je reviens dans le moment présent. Je lui dis au revoir à travers l'écran. Mais je sais que je pourrai la recontacter à chaque fois que j'en aurai besoin. Elle est là pour me guider. Je reviens dans le moment présent, ici et maintenant, dans cette pièce, dans mon corps. Je respire un peu plus profondément, je m'étire.
Et quand je me sens prête, je peux ouvrir les yeux et je m'en sens merveilleusement bien. Prêt à mettre de nouvelles actions en place pour avancer vers ce futur qui me correspond.